Il en ressort que l'artiste musicien Koffi Olomide était refoulé dans le sol américain, mais tout le monde y est à Paris. Quand un artiste quitte son pays, à ce visa à pays, mon groupe qui est à concert, normalement, visa à cause des années, monter dans moto, à ce que peut-être que ça la visite. Bisous naturellement, surtout aux voyageurs, trop souvent, toujours à la visa tourisme. Mais visa bango ba kenda kanango za visa de travail. Pourtant ozo kende o ke ko sala tourner obeta ba concert et c'est un travail ozo sala. Et ça nango lo mouka administratif qu'on peut négliger aujourd'hui mais c'est grand, c'est énorme. Inos bi quand il part là-bas obeta ba concert c'est qu'il aura visa de travail. Fallait qu'il parle souvent là-bas avec les artistes toi qui nana bango. Ceux qui ont un problème c'est qu'il aura visa ni de travail. Ma sur les États-Unis et ap namba li bosoti. Mais aussi, surtout que dans la même logique, on sait que Bercy, Olympia, le concert, on a tout le monde qui a un visa de travail. Alors, comment expliquer un artiste à un niveau qui n'a pas réussi à avoir un visa de travail, mais il est quand même parti pour faire un travail là-bas, parce que c'est son travail. Posons-nous la question, quand Koffi Olomide était revenu en Afrique pour une prestation, il est allé aux États-Unis. Mais pourquoi tu as eu l'information qui va refouler les négociations? Donc, c'est que le vrai problème, ce n'est pas l'équipe qui a accompagné l'artiste, mais c'est lui-même la légende qui pose problème. Donc, c'est que visa Oyo Bazo Lobela, ils ont eu mais les Koyo, c'est qui le producteur qui fait tourner les artistes en Europe ou aux États-Unis? C'est qui ces producteurs? Producteur, on a ce qu'à remplir les critères de l'Union pour permettre que le contrat Salama batine de la EP autorisation visa de travail et bimi. C'est très compliqué, Valdi. Et moi, je pense à mon humble avis que Makambo et Komeli Koffi Olomide, s'il s'avérait que ce soit vraiment une information vraie, même sur les vrais, oui. Mais inspiré Bissot, tout le monde a plaidé pour nous. Il fallait pour Pao, il fallait assez produire dans. Na Gabon, concert oh. Pezalaki, mais na mon internet c'est peu limite toi. Abete concert on a na port gentil, sur la bonne santé. Alors, na ndenge na bangokuna. Si un organisateur est proche du pouvoir, à l'interne bon c'est la campagne, il y a boycott, il y a concert na yo. C'est un fait, sauf bande combattre Tembe, où nous avons des Congolais qui sont sur place là-bas. Certains Congolais ne sont pas fanatiques de Fally, ils peuvent témoigner. Donc moi je crois que c'était vraiment un vrai problème politique. Et on m'a dit, quel est le concert en haut et à Mingité. Maintenant, il y a eu dans Libreville, tout le monde a dit, le retour est à la Makassi. Fally. C'est vraiment les chouchous des artistes congolais là-bas. Et après Fally, Bato Bazan a tendance à bien kuna na Gabon, na Minitio, et ça, Gez Mawete, et puis légèrement Inosmi. Héritier Atanabe, on attend la promotion. On attend vraiment une très bonne promotion sur le terrain. Les concerts de Fally Ipupa au stade des Martyrs, c'est un passé. Tout conjugant, on a présenté. Et ce que nous sommes en train d'attendre ici, c'est les concerts d'Héritier Watanabe, son spectacle dans le stade des Martyrs. Mais si vraiment Héritier veut que la promotion de son concert soit accompagnée par le personnel de Wenge, de la famille Wenge, je souhaiterais que ça soit Sankara de Kunta. Pourquoi? Parce que j'ai vu Bandeko Moussousou, Baomika, Papi Roger. Tout le monde est dans le stade. Papi Roger, Papi Le Prince. Papi Le Prince. Mais ce ne sont pas des personnes vraies. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap, tap, send. Tap, tap, send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà RECP là. C'est-à-dire, l'autre la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap, tap, send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude, c'est très rapide et fiable. Ce qui est au Tindimbongo, on a Kinshasa, tu rejoins Orange Money, la M-Pesa, tu as Airtel Money. Ce qui est au numéro à Brazzaville, tu rejoins MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 euros
des bonus. Donc si vous avez un frais de transfert, c'est ça. Théo. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est net moment, ça n'est pas de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le votre Valdi Tamboui. En tout cas, bana poto, bana mokilumba, bana Angola, merci pour la patience et la confiance au Botchara. Toujours awa, na canal la nos préférés, film bien film. En tout cas, ça l'anga qui tout quoi, on s'arrête surtout en attendant un bon interaction et régnant entre Bissona Bino. Donc après avoir coaché ma vidéo en ligne, des beaucoup mais l'arabie sur ma suggestion, ma remarque, na bêta vraiment c'était que ça l'a vraiment qui tout copo y a on est là que ça. Moussa les alliés comme à l'ibosso na bino des bosons c'est l'arabisson tout ça là on peut n'engue longo banito n'engue bino bolinga. En tout cas merci les bagnons soit tic arabissoté en commençant par maman Lisette Lokange Lifoku, une femme pas comme les autres n'a pas su monter sur aux amis depuis Paris. Pourquoi pas l'exécutif Kevin Bognoli, l'ami intime de l'aristocratie et l'ennemi juré de la pauvreté n'est que yépé azawana orgazi manatan babi yaza congolais à droit. Quand on a le droit, il est vraiment un orgasme en attente. Il s'est justifié. En tout cas, après avoir tourné ma parcours dans la ville prophète de Kinshasa, il y a un restaurant dans Dallas, pas Maréchal, les souverains. Il y a un Mbeli Bino Bongo. Thierry Mumbaya, avec Thierry Mumbaya, nous allons parler de tout sauf rien. Ce qui Macron qui est derrière la caméra, la même morale, la même là. Champ pour commencer notre communication directement. Nous saluer Mister Fallo, bonjour. Bonjour Valdi Tamboué, bonjour également à Bandego tout éparpillé dans le monde de Baolanda Biso, na Ngonga Oyo. Ce qui Boutou. Bonsoir. Ce qui peut moi, bonjour Rande Tokena. Fuseau horaire. Et des fans d'avant. Si, si. En tout cas, merci. En dépit à mon état, santé, bien témoin. Mais au petit quand même. Boulot est comme la bisous, ils la convocation. Ouais, ouais. Ce il faut répondre. Ce n'est pas répondre, c'est Talio. En tout cas, merci. Nazumo, ma préoccupation est belé à bateau, ma souci, na bangope. Naibi qui est vraiment aligné à la conducteur, à la trousseau, la marambounion, se mettre dans mon actualité. Si Gabi, mon collègue lobby dimanche, en tout cas, communauté n'a pas besoin de clabousser la communication. Ou à peu déranger qui bateau est belé. Excusez. Batumsu ba sepela gi yobika congolais azaramo mutu embeli aminumi balé mais batumsu pe bazaki vraiment inquiet. Il en ressort que l'artiste musicien Koffi Olomide était refoulé dans sol américain mais tout moni na Paris na habité toi na posa moi clarté quoi. Bon, une chose est sûre Valdi, pour ce qui est de la clarté, c'est à Koffi Olomide ou les communicateurs de l'artiste basa musala avec toutes les précisions possibles ba sabiso. Ce qui s'était réellement passé, ni ne sali qui a longwa na mikilia 001 a gena 0033 regarder zalaka et tout, mais seulement il faudrait tout mais qu'à réfléchir plutôt se limiter à analyse, mais la na quatre analyse il y a aussi l'information. Il y a bien que aux alliés na réflexion la bisona manière la bisona quoi aborder Koffi Olomide plutôt tout ébi qu'à tourner américaine, donc calendrier bimaki après bah calendrier raté et belé. Au final, quand André Bima qui tout le monde a bêti dans l'état et belé, c'était vraiment l'ambiance, voir le grand public retrouver l'artiste Koffi Olomide dans la scène. Ce qui est plutôt remonté la dernière fois que Koffi a tourné dans les États-Unis, et salut à Bambou, les belé. Donc pour nous, on se dit, l'artiste et Koffi Olomide, tranche d'âge naïe. Chaque fois, là, personnellement, ça je dois m'engager personnellement, chaque fois que je le vois, je vois un artiste de cet âge-là congolais sur le podium Bongo na Milobelaka. C'est possible aujourd'hui que les jeunes fassent quelque chose. Surtout les jeunes qui ont été à la trentaine, ou vingtaine, pas forcément, mais ils ont été à la quarantaine, ils ont été à la Fali, à la CLO, à la Ferré, les autres. Il faut passer à quelque chose parce que Koffi a dépassé largement ces tâches-là, mais il a encore la possibilité qu'il y ait un peu de temps. Il ne faut pas bien être. Moi, le Tchotcho est bimi. À ma tête, on a bêti. Attention, quand on a la autoproduction, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont répondre à l'appel, à l'appel, à l'appel. Donc, ça prouve à suffisance que Koffi Olomide, il a encore quelque chose à donner, mais aussi, il y a des gens qui attendent de lui quelque chose. Ils ont s'appliqué à l'offre et à la demande. Il faut que tu aies une demande pour offrir quelque chose. Mais aussi, ce qui est là, c'est que les gens qui ont refoulé, expliquer, tout quitter sur le terrain. Alors qu'ils ont tourné, paf, tout le monde a zone en Afrique.
à zone d'Afrique. Après Afrique, il fallait que silisa à tel endroit qu'on était moko. Ton la production moko. Après que bête à concert na Canada. Sur so, quoi la toute dernière vidéo à salle à poster d'ailleurs na page naie. À zone un restaurant moi ouais. Tout ça là. En plein Paris. En plein Paris ma commune avant concert na bango bazan on a Canada. Donc faut que bête à concert mususu na Canada. Tournée américaine, naturellement, ils allaient à Mingi, les musiciens vont programmer, ils allaient aux États-Unis. Ouais. Et puis, Canada, rarement tout le monde est en Amérique latine, ils sont au Paraguay, au Uruguay, au Mexique, rarement ils sont en Akuna. Alors, professionnellement parlant, quand un artiste quitte son pays, à ce soit visé à pays, il n'y a pas de concert, normalement, visé à cause de ça, il n'y a pas de moto, il n'y a peut-être que ça la visite. Bisso naturellement, si tu voyages trop souvent, tu as un visa tourisme. Mais visa bango ba kenda kanango za visa de travail. Pourtant, on a kende, on a fait la tournée, on a fait un concert, et c'est un travail. Oui. Quand tu as un faux bas déduire, tu as un pourcentage en beaucoup, tu as une taxe à l'État, un frais mécanique, bon, le frais mouru bimara bimara wana, et protéger contre la pollution et tout ce qui va avec. Donc, faut visa, il y a un travail. Pour pas qu'on ait lié un contrat de travail na yo, pour un contrat de travail bah répartir bah pourcentage, pourcentage artiste yango yo, revenu au bénéfice ya producteur yango yo, frais à salle yango yo, assurance yango yo, et puis frais à l'État au tobenga rampako, taxe yango yo. Parce que nous on a défini un visa de travail. Ce qui balobi que Kofi Olomide a été refoulé, to France à nini États-Unis éjecté na moko na bango parce que azo travailler. Mais un visa à tourisme, c'est explicable, ça s'explique. Parce que comment on peut travailler avec un visa de tourisme? Même quand on a un visa à Dubaï, on a plus facile Émirats Arabes Unis. On a un visa à Dubaï, à Abu Dhabi, un visa à Tuzorawana. Visa, on appelle ça un visa de tourisme. Si on a un visa à Kuna, et on travaille dans l'irrégularité, on travaille officiellement. Mais pour travailler officiellement, il faut s'en aller sur tout ça. On a un ID. Aux huit résidences. Sur huit résidences, n'est-ce pas, son nom qui n'est pas visité. Et dans son bac à billets, n'a qu'une résidence. Il y a un peu de temps pour avoir autorisation, n'a travaillé sur la Kikuna. Donc, on a créé un business qu'on a officiellement, Mumbaya, ce qui est né. Parce que, bah, on reconnaît que Mumbaya, il a un compte bancaire ici, il a les documents comme résident. Ah, donc, documents qui permettent un travail, un soin de santé, une maternité, ce qui est là, moi, si on a fait beauté, tout ce qui va avec. Donc, on est dans une démarche administrative, ce qui est information, ils ont circulé, les informations vraies. La plus grande question qu'il faut poser serait à Rouéba. Comment un artiste comme Kofi Olomide, oh déjà ça m'a, au moins que je me trompe, bah Fali Kuna, la tournée aux États-Unis, série à bas magie. Non seulement bah bête à concert, mais bah ça bah clip Kuna. À l'époque, bah venait Bisso, Modoga Barambwa. À son âme, Bavé Babiandonga, Bah Suzuki Luzubu, Bavé, comment Tonton Sam, Sam Chintu, Che Guevara, non, ça tire au Anatou, Bah Somon, Bantou, Bah Kena des États-Unis. Donc, Papa Top Moukoulukoul, Namasolo, États-Unis, et Abnamba Alibo Soti. Mais aussi, surtout que la même logique, on sait que Babeta, Bercy, Olympia, Bah Concert, on a tout Beta Manapoto, Bah Zoué Lakango, Bah Visa de travail. Alors comment expliquer un artiste d'un niveau Anna, qui n'a pas réussi à avoir un visa de travail, mais il est quand même parti pour faire un travail là-bas. Parce que c'est son travail. L'activité de l'artiste, c'est bah, enregistrement dans le studio, mais bah, c'est un naturellement, il faut y aller. Bah, normalement, il faut y aller. Bah, les plus grands soucis qu'on place, en fait, préoccupation dans le local, la Congolais et Zawana. La première possibilité. Deuxième possibilité, Zani. Kofi Olomide qui prévoit une tournée américaine, ma bête on a carté la tankinte. Pour Ayebi qui a un souci à Rozoa, bah visa. Tout le monde qui est en son salle même sit-in, le bosso à maison Schengen, le bosso à l'ambassade de France pour Anine. Parce que visa, car il y a travail en haut, est compliqué à Bangonyonso. Maintenant, Kofi Olomide, sage, intelligent et malin qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, a créé carté latin fashion. Bandeko bana mikila poto badana ba mikanda ba résidence badana ba nationalité bana ba France bani parce que na concert aux États-Unis nga na mona ki ndeko na biso mon ami Gelor ya vanda déjà aux États-Unis na mona ki vient na biso comment il s'appelle mona ya vedi no comment il s'appelle Lola Mwana avant dans aux États-Unis
Donc, bango déjà soba déjà en moins national nationalité, to baza déjà ba résident y a state, ba na besoin ba bloc wana te. Si si. Mais c'est qui l'artiste qui signe les contrats? C'est qui l'artiste qui engage? C'est Koffi Olomide. C'est vrai, moi irrégularité na mamba ba congolais et ala na moi trop. Mais surtout ça moi anarché ala na moi trop. To yebi na mboko yo, to na besoin on se moquer na ba kolo tout te. Mais papa oui mba sara prison pour un phénomène ngulu. Donc c'est que ba viso ba nope sa ba artiste ba congolais ba koma même capable a ozo lango ba tout ba l'art a même et c'est pas seulement papa oui mba. Papa oui mba ndende ba ba ya quoi qui victime ba kangi mais à l'époque c'était vraiment presque tous les artistes ba non ça là. Moi dans ma famille propre toi na tante mo rakenda poto na sima ya artiste musicien moi que j'ai failli citer les noms il reste voir là il voit ça. Tu vas ngamba longa na montage. Et ba vous en fait. Ozo mona, ça arrive. Et ba non ça mona ya ba irrégularité mo bo et ça la manga salama na ngo. Mais ceux qui essaient un visa de travail. Est-ce que ba il comme on est comme pour na au saturo ba tambola gina artiste to pour na artiste yemo. Yemoko. Posons-nous la question, quand Koffi Olomide était revenu en Afrique pour une prestation, il y a des États-Unis, il y a des gens qui ont été en pour taper l'Europe, en Amérique, et il y a des gens qui ont été en Amérique. Il y a des gens qui ont été en Amérique, il y a plus de 8 heures de vol. Donc, ils ont vraiment distance. J'ai pari, moi, je n'ai pas toutes les informations, qu'ils étaient restés en Amérique. Mais pourquoi tu as eu l'information que tu as refoulé par les gens? Donc, c'est que le vrai problème, ce n'est pas l'équipe qui a accompagné l'artiste, c'est mais c'est lui-même la légende qui pose problème. Donc, c'est que visa, Oyo Bazo Lobela, ils ont eu l'argent. Donc, c'est que peut-être que le visa, il y a tourisme, mais il y a quelque chose qui est travail. Déjà, administrativement parlant, c'est une irrégularité. Ils ont délit. Bon. Tout n'a pas moi tout n'a pas mis pour nanini bazong c'est qu'à sina congo t'es mais bazong c'est na France alors que lui il a un passeport diplomatique congolais. Bon, qui sait peut-être en dehors n'ango a zarapé la nationalité française et qu'il était parti avec cette nationalité à jouer le visa en soussou na France pour tout ça là amalgame t'es autour n'ango Gims est un français. Bon, français t'es à la résidence française mais à congolais, mais Dadjou c'est un français, il a un passeport rouge français. Mais je n'ai passeport rouge, je diplomatique congolais. Donc, côté wana, yana ngo, to, c'est compliqué trop tôt. Si c'est un fait et que c'est arrivé, moi je dirais simplement qu'il est grand temps, comme c'est arrivé et comme il est le grand Mopao, qui est aujourd'hui une icône pour la musique congolaise, une légende pour la musique africaine. Mais de surcroît, c'est un ambassadeur culturel détenteur d'un passeport diplomatique. Aujourd'hui, quand Koffi Olomide passe à l'aéroport international de Ndjili, il y a à côté un musicien qui va sauter. Il y a à côté un diplomate qui va venir dans un salon d'honneur. Pour avoir un passeport, ils ont obligé d'aller à côté. Il y a moi le Koumou, moi honneur, il y a un diplomate. Côté un ministre, il y a un signe. Donc, ça veut dire tout détenteur d'un passeport diplomatique, bah, sous les Kaouka, bah, tout ça, tali ba vidéo, on va voir au monde. Baleka place mususu au batou mususu baleka ate. Donc ezola qui ça avantageux allié na musalo basalaka. Maintenant déjà la position ya ambassadeur culturel, je pense qu'il est grand temps baba ndako plaider makambo wana. Que ceux qui déjà un visa normal. Hein toujours à moi ba tourisme hein, tout ça là il aura compliqué. À combien plus forte raison un visa de travail qui implique beaucoup de choses. Mais lelo sikoyo. C'est qui les producteurs qui fait tourner les artistes en Europe ou aux États-Unis? C'est qui ces producteurs? Producteurs, on est-ce qu'à remplir les critères nous sommes au Singapour pour permettre que contrer Salama, bâtir de la EP autorisation, visa de travail, EP bimi. C'est très compliqué, Valdi. Et moi, je pense à mon humble avis que Makambo et Komeli Koffi Olomide, s'il s'avérait que ça soit vraiment une information vraie, même sur les avrétés, oui. Mais inspiré Bisso, tout le monde a plaidé pour nous. Certains artistes le bazar moi en pifo moi en guya beaucoup t'en a beaucoup dit beaucoup t'en a bas décideur congolais ou beaucoup ont influencé l'ambassade douana et qui va créer moi une certaine facilitation et comme que ceux qui t'en a besoin visa de travail ou est-ce que ça est là où bas c'est inté qu'on fait ça est là où il faut l'été donner aux artistes parce qu'après toutes les preuves qu'ils ont réussi à y a comme ça là dans un moment on a été confié l'omide à qui aux États-Unis et puis à Kimi. Pour et puis pour n'y aimer à la dé à rater visa Canada parce qu'elle pouvait bien avoir un visa. Il y a tourisme.
Parce que Yemi Alade honoré a pris la tienne conditionnelle, mais qui a commandé la nationalité anglaise. Donc, ça rappelle détenteur, il y a passeport british. Donc, visa tourisme, il y a besoin d'en côté. Parce que, bah, anglais, na bah, canadien, bah, tout bah, ça lié. La royauté Moroboué, où ils ont à l'époque, reine d'Angleterre, le roi Charles. Mais pour un travail, ils ont signé un visa de travail parce qu'ils ont été exercés. Dès que tout le monde a été développé, ils ont un visa. Visa de travail. Soit que, à Komikuna, à Obana Maman Kousala, l'État a une démarche, tout ça, ils ont une nationalité, ils ont un visa de travail. Ils ont un rapport, ils ont un visa de travail. Ils ont un visa de travail. Ils ont un visa de travail. Il y a deux ans. Mais soit que visa wana et vous permettre à salater à nous soit je travaille encore dans les noirs sur le noir en c'est la canne d'amoutou en ça ba cop mo boye ça et c'est ngalango ba vérification té mais pas comme ça la musala o ils aussi ngaba taxe ça soit compte ba comme maintenant que vérifier m'amener tout à comme la possibilité pour préparer retraite face à ca démarche soit mukanda. C'est-à-dire que ils ont un logement administratif qu'on peut négliger aujourd'hui, mais c'est grand, c'est énorme. Inospi quand il parle là-bas au beta ba concert c'est qu'il aura visa de travail. Fallait qu'il parle souvent là-bas avec les artistes toi qui n'en a bango. Ceux qui t'ont aucun problème, tu sais qu'ils ont visa ni de travail. Visa milai de tout monde. Visa milai, t'es mais visa wana milai qu'on appelle visa tourisme. Tu sais que Canada peut avoir ton visa tourisme en 5 ans. Ah bon? Oui. Moi j'ai un frère d'ailleurs, on appelle ses beautés, Blaise Ndozoa. Toute la famille, Madame Blandine Ndozoa, ma petite, surtout on a parlé. Il y a qu'un ana visa à 5 ans. C'est-à-dire à sali passeport à 6 ans, à sali demande un visa à Canada, ma petite, 5 ans bamo. Visa de tourisme, plusieurs entrées. Dans nos années, si le passeport est expiré, il y a 300 tours. Il y a des gens qui sont en France, qui ont un visa. Une année, il y a l'Europe. Il y a du tourisme, mais plusieurs entrées. Mais dans le visa, il y a des travailleurs. Donc, moi, je pense que le vrai problème, c'est que la forme de visa est posée et pose moins de problèmes. Mais le coup, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a problème. Partant de son expérience. En tout cas, merci, merci. En tout cas, voilà. Na chacun on est bandé les peuples. Tout là, là qui vraiment m'ambiguiter moi et belé. Na mon agin des communautés et loba qui vraiment bah bon séjour naie. Na bah bon continuité, bonne continuité. Y a tourné. Y a tourné. Non, c'est l'été. En tout cas, grand mot pas haut. Na pression monte jusqu'au tel abysse. Mais tout ça quand on a combiné Koffi Olomide, les gens les a déjà na marché des disques congolais. Mettez moi commentaire dans mon cœur. Commentaire aux Alayako, Pesa Koffi Olomide, d'abord félicitations pour la qualité. Au départ, je n'ai pas eu le temps d'écouter, mais là maintenant, on a eu un très bel album. Vraiment un très bel album. Bah, variété Nakati, légende, ça porte le nom de l'artiste. Actuellement, on appelle Koffi Olomide la légende de la musique africaine. Si, si. Soit aux Ongisima, Papa Top, et Mama Inabanzembo, mais ça porte aussi l'image de l'artiste. Tant que allô, 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 papa, bonheur au téléphone. Kofi Barondo, bengepe papa, bonheur. Tant que papa, fleur. Papa, fololo. Tant que bengepe papa, fleur. C'est-à-dire, les noms. Oh, et maman, la bande, Koffi Olomide. Et comme on rappelle, il commence à porter ces noms-là. Maintenant, cette fois-là, ce n'est pas seulement un nom qu'il porte, ce n'est pas seulement une image qu'il porte, mais c'est, je dirais, c'est une qualité ou c'est un niveau qu'il a atteint d'être appelé la légende de la musique africaine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va te citer la légende locale de Myriam Makeba, la légende locale de Brenda, la légende locale de Youssoundou, la légende locale de Salif Keïta, Angélique Kidjo, on te cite également Koffi Olomide. Maintenant, il est déjà considéré comme une légende, il sort un album qui porte les mêmes noms. Et il faut que ça ait une particularité dans mon moko. Il faut que ça ait un niveau moko. Il faut que ma bison ait une révolution moko boye. Mais l'album a souffert d'un problème avant la sortie officielle. L'album est piraté. Oui. Bah ça on a pas plateforme. Tout le monde est déjà. Oh mon. Moi je pense la communication album où il fallait qu'il faut bah ça l'ont matraquage. Parce que déjà l'album est en abandon pas bien. Bah tu vas de la promo. Un sérieux problème des promos. Pourquoi? Parce que déjà, il y a kaki version piratée. Maintenant, qu'est-ce qui va motiver à la personne qui avait déjà consommé la version piratée pour avoir la version fignolée ou la version originale? Il faudrait qu'il y ait des particularités. Déjà, quand tout artiste est baron montant, on va noter que la CD Kalezaki, soit même si CD à 5 $, tant que même Sabino,
CDM ce soit à 15 dollars wana abaxina ba bonus na kati. C'est-à-dire il s'arrange de telle sorte que bomona o ebimi original to ya ya un peu plus cher et ça n'a pas un petit plus que okune yate. Et même quand on somba pe wana pour yoka ka 3 bonus mo abaxina kati. Mais est-ce que yo ki playlist na mobimba? Mobimba vite fait en passant, mais j'ai quand même quelques chansons particulières wana na yo. Comparativement à l'album précédent, il y a légende Koffi Olomide. Mais Nini Asika et Baksami Nakatsukuna. Nini Asika, non, il a gardé son identité. Il a gardé sa monotonie. Il a gardé ça. Il a également fait quelque chose. On a habité jusqu'à un moment où il a monté peut-être pour faire la promotion à bientôt. Koffi n'a pas saturé les gens avec Cindy. L'album légende. Pourquoi tu vois comment est-ce que l'obanine? Car tu l'as tant comme Ka Cindy. Ka Cindy, oui. Mais dans cet album, il y a les vocaux. Il y a Umba, il y a les musiciens, mais il y a les vocaux dans l'album. Mais puisque tu as yoka penzate, tu as prêté attention. Alors que les gens reprochaient quoi? Koffi a mis ça sous les musiciens, tu as appelé ça dans l'espace. Même si on a depuis l'époque, il y a un Zembo, il y a un inspecteur Gilles Alinguette. IGF. IGF. Et dans l'album, tu vas retrouver qu'il y a plusieurs collaborations na Kati. Donc c'est un Koffi Olomide qui a essayé de s'ouvrir à la nouvelle génération tout en gardant sa pureté, son originalité. Donc on va sentir des temps. D'un côté, c'est un Koffi plus jeune, un Koffi plus, beaucoup plus mis à jour. De l'autre côté, c'est un Koffi original qui a gardé sa pureté, sa naturalité. C'est vraiment un album riche, mais malheureusement, il y a une faible communication autour de cet album. Ça, c'est premièrement. Parce que j'ai dit tantôt, l'album a été piraté, on ne devait pas faire la promotion, mais plutôt les matraquages. Mais qui doit matraquer sur l'album? Nous, on va communiquer, nous, on va analyser. Mais mettons-nous d'accord sur un peu, Valdi. Obito ça a une mission d'analyse, il y a l'actualité. Oui. Mais ça doit être une actualité. Tant que Bimi, Tolobeli, on se limite là. Mais ceux qui battent ça tout autour de Koffi Olomide commencent à créer des actualités sur chacune des chansons. Tout ça, ni Tobando Zonga. Mais observons sur terrain. Actuellement, Merveille Rambo, qui est officiellement, ne fait plus partie de la team Quartier Latin, mais même du côté de l'Europe, là où il est, qu'est-ce qu'il fait comme émission? Soit il répond Blana, soit il répond Ambassi. Blana Kinshasa, un album, on a fait ça, Fali. Pendant ce temps, L'ossature Quartier Latin, chapeauté par Koffi Olomide, a un album sur terrain. Donc, en lieu et place de tergiverser ou de multiplier même des émissions pour parler de l'album, eux, ils préfèrent parler des sujets qui attirent plus l'attention des gens. Pendant ce temps, on renvoie la notoriété sur quel nom? Les noms qu'on cite beaucoup plus. En lieu et place de citer les noms de l'album. Donc, moi, je pense que Batoubazo rendre maintenant mauvais service dans l'album. Et ça, bah, communicateur, il y a Koffi Olomide. Parce que lui-même, il communique bien. Va sur les pages de Koffi Olomide, Instagram, Facebook. Chaque jour, il est en train de poster, mettant les liens, eux, qu'on renvoie vers les clips qui sont disponibles et les liens pour tout ce qui est sur l'album. Donc, il est en train de faire sa part. Bon, les gens diront community manager, tout va gérer. Mais la page porte le nom de Koffi Olomide. En tant que tu as la page à Koffi Olomide, tu as toujours des informations sur Koffi Olomide. En tant que tu as la cour, tu as toujours des informations sur l'album légende. Tant que tu as posté qui, et là, quand Félix Oise, qu'on a page à Koffi, on n'a pas dit que les community manager de Koffi Olomide a posté. On a dit Koffi Olomide a posté. Donc, moi je pense que Koffi fait sa part, mais l'ossature de Koffi Olomide ne fout rien. Aujourd'hui, Koffi. Aider artistes, c'est ça. C'est-à-dire, non seulement Bao aider Kouyete, mais Bao profiter de la lumière, n'est pas que Pelselango Banda Kuna Bango, ou pas Pelselango Quartier Latin. Parce qu'aujourd'hui, quand Kissinger se lance dans des conflits avec des tierces personnes, alors sous le nom de Koffi Olomide, mais alors que le nom de Koffi Olomide a besoin de la promo pour l'album Légende. Quand Blanda répond Fali, non, ça, l'album, il faut que les Fali, parce qu'il y a des gens qui ont été là. Ça ne profite pas Koffi Olomide, parce que le nom de Koffi Olomide a besoin que Blanc attend les cas, qu'il nous chante le contenu de l'album. Quand Merveille a sa émission à Poto, puisqu'il y a le bar à Longoté, il a reconnaissant la Koffi, en lieu et place de répondre ce qui se passe à Kinshasa, entre autres, ambassade, autre, reste sur Koffi Olomide, vend Koffi Olomide. Moi, je suis un soyons dans nos sincérités. Je préfère encore un déplique Pomba
qui passe sur un plateau pour parler de son voyage en Europe, il reconnaît que Koffi Olomide a contribué. Nambo, on n'est pas son baba bien, Moussousou. Et il vend l'album de Koffi Olomide par la même occasion. Via Otomisa, légende, album Kitoko, tout ça là. Je préfère encore un fait rigolo là. Qui prend l'album de Koffi Olomide, met sur ses pages pour dire que l'album de notre vieux est disponible, allez consommer. Il parle de l'album de Koffi Olomide. Bateau tout bazar tout autour de Koffi Olomide, bah, on a l'album. Donc, cet album n'a pas besoin d'une promotion, mais d'un matraquage. En tout cas, merci hein, Thierry Mombaya. Tout le monde a une particularité, mon Akati, il y a l'album Légende, là où l'artiste et musicien Koffi Olomide a sali un style de rap. Voilà. Donc, il y a un style propre américain. Malgré mon pépin, quand on tape en Europe et Vanda, il y a un faux beat où mon pépin est là. Mais il y a un beat dans ma boucle, je pense. Pas forcément, peut-être Robert Mabouko, vu l'âge de Koffi. Par rapport à ma mise à jour. Vu l'âge de Koffi, peut-être Robert Mabouko. Pour. Moi, Koffi, quand je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, tout ça, tout le monde a un peu jeune. Imaginez que Koffi a une soixantaine d'âge, alors que Nevers a 70 ans. Tu compares à une soixantaine d'âge. Tu as un peu plus jeune, imaginez. Vieux Benz, Bozi, Bozi, on a rappé. Moi, je suis au moi. Pour toi, il Rumba. C'était sa vie. Ah, il y a ma soeur, banine, tout ça. Là. Parce que c'est vraiment une tâche ma soeur dans la musique, dans l'orchestration. Il va venir en charrier. Viens en charrier. Vimba, Vimba, Vimba. Non, mais qui. Oui, non, mais quoi, imaginez, il faut une carte. Bits, gagné là, vous savez, Vimba, Vimba. Donc, c'est comme pour dire que. Parce que voilà ce qu'on fait intégration, tu côté tenue vestimentaire, vêtements, t'as gagné, serre-tête, Vimba, Vimba. Tu es un abisso. Non, exact. Donc, Koffi, on doit féliciter. Ah, au moins, c'est quoi. Pourquoi Koffi, toujours, ça dit quand encore, mon frère, jeune, à Beta concert, quand il y a polémique, sa polémique autour de lui, quand il y a des albums qui sortent de partout, il y a aussi l'album de Koffi, quand il faut parler de ceux-là qui produisent à l'extérieur du pays, il y a également Koffi. C'est-à-dire, on se dit, ah, il y a Zananou, yeti. Non, mais Koffi Olomide le fait mieux que faire ego là. Passez-moi ça. Olomide? Je me répète, Koffi fait mieux que faire égo la Mambabadri Luana. Parce que Koffi Olomide, ce n'est pas une première pour lui. Sauf qu'il n'y a pas de robot. Sauf qu'il n'y a pas de robot. Partis-moi à Rapara, ne me donne pas ce que j'aime, donne-moi ce que je vais aimer, tout ça à Rapara. Sauf qu'il n'y a pas de bébé à Koffi Olomide dans la carte yoga. C'est moi. Quand on a écouté Gaolo, c'était une autre musique. La musique Rumba Koffi d'Arapa. Il y a un album en monde arabe. Chacun a sa vie, chacun a son monde. On a pas fallu dans quatre. Vivant dans le monde, tous les mondes. Ici, chez nous, c'est là. Après, générique côté. Koffi rappé depuis. Mais seulement, tout le monde a un mot drill. Le stylo a rappé qui est beau, tout le monde a drill. Il y a un peu de image, mon sou. Si on écoute, il y a un terrain. Tu as un solo à bateau tant que tu fallais à qui tu rappe, tu as un sécaillé. Tu comprends la réalité? Tant que tu as un peu de rappe, tu as un peu de rappe, tu as un peu de rappe. Allez! Et ça, c'est que. Parce que les gens oublient. Damso a posté les rap de Koffi Olomide. Il y a un mouvement aujourd'hui, c'est vrai, les gens. Ils ne sont pas morts, ils se moquent. Ils ont un jeune talent. Il y a rap français. Ils ont posté, posté, on a une page, mais il y a un Congolais, tout ça, ça sert tout le monde. Mais pourquoi aujourd'hui Damso a les yeux sur les rap de Koffi Olomide alors que les vieux rappaient depuis l'époque? Mais bah même Damso on a les mêmes Dadju, les mêmes Keblak aujourd'hui utilisent la guitare de Koffi Olomide dans leur musique. Sauf qui bande moi bah Dadju aujourd'hui moi j'ai vérifié au rappeur guitare bah tchatcho. Dan da 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 da. Quelle audace! AMB musique na bango mais guitare à tchatcho au bout quand t'es. Si si. Non bah yoka Koffi plus baby que vieux ane zalaka tchatcho. Pourquoi? Parce que ces jeunes là, bah papa na bango africain qu'ils étaient, bah na yoka musique à Koffi, bah maman na bango écoutait la musique de Koffi nandako. Bango bah coller na mouvement rap, mais bah mixer na ou bah yoka pas bah parents na bango. Koffi nous joue une autre musique, mais pourquoi il se réfère toujours pas à Taboulay? Parce que c'est la musique où il y a guitare en cola, pas maman ami. À quoi la musique ouana? À Bakisi qui y est, mais il garde l'originalité à cola nango. Maintenant ces jeunes là, ben qu'on découvre Koffi, netiba moni abano rapé siko.
Alors que via Rapana est depuis Kala. Pourquoi? Parce que bah comprendre que il y a un vieux qui a fallu. Vieux na bané musique na manga ba rumba mais il est venu vers nous. Net en salon bien, à ce moment on a disque d'or. Surtout bah tout bah comment salon après bah comment bah jeune noir en France bah comment on a neti et bandisika. Mais besoin est-ce qu'on faut te informer bah que non Kofi c'est pas le tout premier opus son qu'il est en train là où il est en train de rapper. Azala année déjà na mambo na banda Kala. Seulement Tolobi il fait mieux pourquoi? Parce que plus ça plus les années passent, plus sa musique est connaître moi ba révisitation, ba variété zo ba kisama. Mais lui il apprend toujours à se mettre à jour. Kofi a rappelé la drill, le game est niqué. Bon, ça va gérer. C'est quelque chose à féliciter. Voilà pourquoi nous on est en train de féliciter. Et ça prouve à suffisance que même ba na wana ba zafir que nous sommes inspirés de la musique de ces vieux. Parce que la musique drill n'est comme une rap et bandit kalati. La musique drill existait déjà. Le hip-hop également existait, R&B existait. Mais ne pas marié, mutabe ta drill mazo rapé et bandit kalatroté. Maintenant, bah on a soit un vieux papa ou amas ta papa ba Gims, il est pas comme ça là. Donc il faut et ça là bah tout moi plaisir donc un album comme ça. Mais ça, lequel est moins légèrement inaperçu dans la communauté, tout comme les bandas, simplement parce que ceux qui sont censés communiquer sur ça les font mal. Et moi, personnellement, ils ont chagriné. En tout cas, merci Thierry Mumbaya, Tuzaka Awana. Moi, Mituna, ils ont vraiment moi, Belé, Rosarante, Pablo Kitamba, la Koulou Tsuali. Et Pablo Kitamba, la Kitams Business, la PCMBO, on a bisou africain à Balox. Si, c'est Ota la bisou, moi, Pablo Kitamba, là. Tu continues toujours malembe. On aura climé ça, plutôt que non, malembe. Vraiment. Anisi, tout l'américaine. Tu es aussi côté à Kofi Olomide. Tu es tapé tout, mon qui est côté à moi, on a Fali, Poupao, Api, Lobi, Fali. Assez produire na Gabon concert Pesalaki mais na mon internet c'est peu limoto hein problème ni sousou il paraît concert en Zagi vraiment na mouvement ya like pena ma cité après bon tolobani ma bon ya ba concert ba musicien à l'étranger il se passe beaucoup de choses et tout ba tonsou ba ici que non certains méchants certaines personnes mal intentionnées étaient venues un peu plus tôt. Bazu ba image quand les à la concert on a ne bandi penzate. Bazu déjà ba image, on a vu même à Kinshasa Fally venait de faire un concert na Bolimbi, c'est un concert à siècle dans stade des martyrs. Ben bande comme ça une seule chose. Bande ko ba supporter raté. Ba une seule image comme quoi qui vide tout ça là. Mon la salle ba tout monde est plein dans stade mais bande comme ça ils la temps biso to bi ma déjà. Ndé ba filmer donc les personnes comme ça, ça existe partout. Et on finit par s'habituer dans le token. Mais aussi, il y a un fait, il faut tout le bango. Na Gabon, c'est un pays africain. Un pays africain, le président, Oumelaka, il a créé un régime na bango et comment des pères en fils, tout ça. Là. Alors, Gabon, ce qu'on a dans une libre ville, il y a un concert dans un port gentil, sur la bonne santé. Un port gentil, et ça, zone nous sommes tous à nous vers Brazzaville. Alors, si un organisateur est proche du pouvoir, un tourneur est proche du pouvoir, à l'interne, bon, c'est la campagne. Il y a boycott, il y a concert. Souvenez-vous, Ferrego avait connu les mêmes problèmes dans le Cameroun. Alors que Malox, l'artiste camerounais, ça a fait même campagne contre Ferrego, contre Techno. C'était les personnes proches du pouvoir qui ont organisé un concert. En fait, c'est un mouvement qui est venu à la Mingité. On a des vidéos même pendant un concert, on a un concert. Tu ne verras presque jamais un artiste congolais et qui a David a un concert, il a sa campagne, il a un Aïe, ça l'a marqué. Mais dans le pays où on a, et ça l'a marqué souvent. Donc, c'est le vrai problème, et c'est pas ça qui. Comme l'organisateur est proche du pouvoir, à Bétis, on peut avoir Port Gentil, qui n'est pas vraiment si une ville aussi proche à pouvoir, né Libreville et Zali, on a moins tendance à opposition. Donc, pour na Bango, c'était un concert organisé par les pouvoirs en place. Il fallait bien que ça les lourds au moins, on a pour faire comprendre le pouvoir que non, d'accord, na Bango. Donc, il y a une petite connotation politique,
des créer. Vous allez remarquer, l'artiste oui. Mingi Faliwana, Nathalie Calandrier, son abo, c'est un concert à Libreville. Vous allez remarquer que vous allez différent dans où il est Kanikuna. Même en termes de Makelele. Concert on est bête, mais tu baies na bango. Mais Makelele, où est Salaman? On a Zalana Fali na Gabon na concert. Moni Gabon. Ah mais les gens ne jurent que sur le nom de Fali. Aujourd'hui les Gabonais aiment, en fait les Gabonais aimaient déjà l'artiste na bango. Bah tout le coup là bah Chanel, bah tout le coup là l'autre fille qui s'est dénudée là, Bossen Komonaie. Na bah jeune na bango bangando, bah imba bah musique bah motivation tout ça là. Mais tant qu'un Chanel a aimé na Fali. Elle a atteint directement une autre dimension. Parce que le concert de Fali pour pouvoir bêter à parler de la culture, c'était en 2019-2020. Chanel Mutasa a enlevé les rideaux. Elle a levé les rideaux de Balobango proprement. Après, bah, on s'est rapproché, tout ça là, bah, et ça la collaboration. Et même à niveau Moussous. Aujourd'hui, à comment ça dit dans Gabon, Libreville, mais ça ne jure que sur le nom de Fali. Au tiers musique, il y a Fali, qui est un Congolais. Au tiers musique, à Gabonais. Bah, enlevez-nous ça, bah, c'est comme ça Fali. C'est un fait, sauf dans le Batiste Tembe, où nous avons des Congolais qui sont sur place là-bas. Certains Congolais ne sont pas fanatiques de Fali. Ils peuvent témoigner. Il y a des boîtes dans Libreville. Il y a une boîte dans Bossen Komonango. Ah, il y a un Bernard Chamala. D'ailleurs, on a pissé une boîte depuis Soudan. Dans la boîte, il y a de la musique kaka. Il y a des Gabonais, il y a des Nigériens, il y a la musique du monde. Dans la Congolais, il y a trois personnes. Fali, Dadju et Gims. Babé t'as trois personnes ouana au bar baïbi. Na ba chaîne na ba radio zoko t'as na ba taxi boy. Babé ta musique qui a fallu. Na ba chaîne na bango. C'est à dire c'est impossible pour lui à sa fiasco na Gabon. Je dis bien impossible. Tout pour na ba pays moussous mais Gabon non. Fallu au Gabon il est beaucoup plus aimé que na Côte d'Ivoire. Ah bon. Seulement na Côte d'Ivoire la plaque tournante ta musique est à Makassi. Ba businessman ou ba comprendra quoi pour ta concert barakuna. Donc du coup, ceux qui vont vers la fin de l'année, ils vont faire un concert, ils vont faire un concert, ils vont faire un Gabonais, ils ne voient rien à ce pays-là, ils vont faire un concert. Mais le Gabon, ce n'est pas vraiment, et puis après, au moins, qu'on a tout été politisé. Donc moi, je crois que c'était vraiment un vrai problème politique. Et au moins, quel est le concert en haut et à Mingité. Maintenant, ceux qui vont faire dans Libreville, tout le monde, les retours sont à la Makassi. Et ça, à l'époque, Koffi Olomide a fait le concert en Gabon. À quoi on a été. Et ça, à l'époque, papa a fait le concert en Gabon. À quoi on a été. C'est parmi les artistes et musiciens qui ont fait le Gabon. Et ça, à l'époque, Pepe Kale a fait le concert en Gabon. Et ça, par exemple, le pays va imposer à Sakanate, ce qu'il héritier de Bango et à Fali. C'est vraiment les chouchous des artistes congolais là-bas. Et après Fali, Bato Bazan a tendance à bien kuna na Gabon, na Minicho, et ça, Gez Mawete, et puis légèrement Inosbi. Légèrement? Ouais. Na Gabon, par rapport à Gez, na Inosbi, sauté, Gez à moi, l'icolo. Mais ce qui est dans le pays, nous sommes africains, sauté, Gez, na Inosbi, Inosbi, a largement l'icolo. C'est tout ça réaliste. Donc je pense que les gens ont lié un problème politique. C'est probablement un problème malgré certains pays africains. D'ailleurs, c'est une occasion, on doit vraiment le dire comme ça, à nos amis francophones, gabonais, camerounais, ivoiriens. Par moments, vous nous taxez d'être méchants, au point que chez nous, il n'y a que notre musique qui est jouée. Les Congolais ne sont pas ouverts, les Congolais n'acceptent pas d'autres nationalités, les Congolais n'aiment pas d'autres artistes. Alors que. Il n'y a aucun Congolais, aucun artiste congolais qui s'élève pour boycotter ou pour créer un soulèvement contre un artiste qui nous vient de l'extérieur. Chez nous ici, ça ne se fait pas. Mais nous voyons ici clairement, chez vous, chaque fois les artistes viennent, tantôt c'est des Bordeaux qui s'élèvent un bon matin pour dire que non, voilà, je dépasse Fali, il ne fait rien de spécial, il vous chante l'amour matin, midi, soir, mais vous dépensez beaucoup d'argent, vous déboursez des fortes sommes d'argent. Donc moi je pense que c'est vraiment une occasion pour nous de faire comprendre à nos chers amis africains que les Congolais sont vraiment hospitaliers, comme il faut le dire. Donc, situation Fali ou pas, bah, tu vas comprendre, on soit avec concert dans Libreville. En tout cas, merci hein, Thierry Mumbaya. Toujours pour ça, je suis allé à la maison de 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 la volume 1 de Bikazana va préparer à la cuisine pour nous préparer album toujours du national volume 2. Mais le volume 1 tout le monde est dit maman comme tout le monde la chanson marionnette donc la rap de tout le monde tout à l'heure oui bien
surtout quand nous avons une promotion, nous avons un peu trop cru, tout ça trop dur. Alors que nous sommes sincères. Valdi, tu sais pourquoi nous sommes en train de parler de marionnettes maintenant? Pour clip et bimi. Mais est-ce que les marionnettes et bimi ont déjà l'album? Mais pourquoi nous sommes en train de parler de marionnettes? Il faut que surtout les Gaulois. Tout mitou na question là. Marionnette figure dans la liste ya banzembo ou ebimaki. Mais pour ni tobe ta maso na ngoyo ta makelele beko beko katon clip ebimi. Ils étaient où pour faire makelele autour ya banzembo ebimaki? Ils étaient où pour faire des challenges autour ya banzembo ou ebimaki? Ils étaient où pour booster l'album de l'artiste et surtout que l'album est souffrant qu'il a problème que lui-même la personne physique était emprisonnée. Moi, je pense que Gaulois étant fanatique structuré, il fallait qu'il tout ça en aille. Tobi que bon biso ba Gaulois, tout ça plaisir na papa Hervé. Le quoi ça sur place té tout souñé na promotion. Semaine auto poni nzembo mo biso tout en poster en auto en ça ba vidéo sur yango tout té l'on makelé. Ba challenge, tout ça, ça dit tout ça là, on va créer un mouvement pour booster l'album à notre manière. Bango zélé que l'album na biso est numéro 1 à Amazon. La Spotify. La Spotify était en Amazon, mais on n'a plus Amazon. Après, mais il est d'une très grande importance aujourd'hui, tout le monde comprend qu'un album, quand ça sort, il y a un label qui travaille, il y a un clip qui est sur l'album. Il y a un album qui est sur l'album. Tout le monde est sur l'album. Il y a un album qui a 18 titres, 20 titres, même si 5 clips, 8 clips, même si 10 clips à la limite. Parce que bolingi bolo ba ke fer go la femme sa ba clip a banzembo nyonso po to banda ko lobelango to vanda ki a to ki nzembo yembela ki nzembo ona linga ngo minga yembela boss di David Mangayana Fadi Tshisekedi titre na ngo na bosani mais c'est vraiment carte rose. Carte rose c'est ma chanson préférée dans la de cet album dalela nzembo ana fort mais sikoyo to vanda boy ah carte rose ezo bima oh non carte rose mène album. Clip y a carte rose nezobima. Et puis, photo tika rota ba maquille le mot éphémère de manière comparative. Pour clip wane bimi, peut-être même jour, tout même date, tout même période na projet moko boye, de tout yota maquille, non. Biso photo s'approprier projet na biso, biso photo créer la maquille de notre manière, à notre manière. Peut permettre biso, tout créer nous à la maquille moko permanent. Nga, n'aurait biso clairement validé. Et ça, c'est un peu même en tant que temps, on a moins terrasse, on a moins bar. Un album qui venait de sortir est bétaté. Vous voyez, le courage de Inos B. C'était pas parce qu'il est courageux, mais c'est parce qu'il a reconnu que j'ai un album sur le marché, mais aussi un album, oh, il en a moins deux, trois titres. Inos B qui était parti jouer dans Femua. Femua, tout le monde, Inos B, Félix Oise, quoi. Je crois deux Congolais qui n'ont pas de bossana. Kofi Olomide est dans tout le monde, le soleil bien, à Fachara, on a tout ça. Il nous avons dit que nous avons fait un album Mortel 06. Mortel 06, sur 07, sur 08. 06. Abeta a fait un album. Je suis un peu plus de tâtonnement. Tâtonnement, il faut que tu aies un peu de tâtonnement. Il faut tatouer dans ma mambo bébé. Il n'ose plus jouer ces chansons-là. Mais puis, parce qu'il se disait, le col a déjà battu ma bébé. Arangi, oh malade, qui te rendu bébé au mio. Il y a moko. Le col a battu ma bébé, naomi kembo. Il y a moko. Donc, on a profité, puis on a bien mbayango, et puis on a coté sa moussoussou. Mais papa Hervé venait de se produire dans la Côte d'Ivoire. Les vidéos sont là. Au moins, il y a une place à ces merveilles dans un album. C'est la plus grande question. Tu as bangi ko betango ou comment? Ah, ça c'est une raison plaire. Kofi Otso aime mon amour aux États-Unis. Ah, Otso bimso. Aime on a concert. Nzembo sika. Na ko bimana ngo na clip, wana ko album e bimité. Ma aime bien. Na concert. O mona. Biso to vanda wa. Fallait autour de sa bande, mon abat français na et ouais c'est grand tout bas le banen. Bisous t'aimes t'entendre un baba français. Aïe qui na qui veut ta concert na malouko. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Tu dis eh papa na malouko là bas tout le monde danse. Ma aime bango. Et puis tu peux pas me saigner na on a qui ça. C'est à dire le podium
c'est aussi un moyen pour faire la promotion, physique, face à face dans le public. Mais aussi, un album réussi, ce n'est pas un album fanatique, puisque nous avons fait ça. Ce n'est pas ça un album réussi, sur le plan promotion. Un album réussi, ce n'est pas parce que Warrior a fait ça, c'est un album réussi. Non, sur le plan promotion, ce n'est pas ça. Et ça n'est pas obligé de faire Kofi Phil, un album légende. Ça ne suffit pas. Parce que après, ils un album réussi, c'est un album qui doit imposer l'artiste sur le terrain et attirer des tournées. Ça, c'est clair. Tu vas dire un album artiste tout, Gims même à l'obango. Quand un artiste sort un bon projet, il faut savoir quelles sont les dates. Et ben il y a tourneur. Et ça, qu'il faut juste après la sortie de l'album, ce qu'on aussi si la première phase promotionnelle, on va présenter, va vache aller. Parce que dans chaque album, il y a un bavache allé, un bavache maigre, ça on connaît. Il y a un artiste qui est mort pour dire oh, tu as une promotion, oh, tu as un clip. Il y a un bavache allé, au présenté. Ce qui est la phase 1 est silly, la phase promotion est comme un linéaire standard. La phase 1 est bien dans le tourneur, son album est réussi. Le tourneur est en train de se faire partout. Il y a un mono qui est en train de se faire. Il y a un mono qui est en train de se faire. Maintenant, pourquoi chez nous, on parle des albums réussis? Tant qu'on a un groupe de fanatiques, les fanatiques, ils sont de manière indirecte dans l'obligation déjà de Kumisa. Parce que les artistes sont dans le bango. Ils 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 sont dans le jamais. Peut-être entre bango, c'est dans la boîte. En tout cas, en toute intimité, ils ne sont pas critiqués. Mais en public, ils sont dans le bango dynastie. Warrior a retiré la jamais critiqué l'album a fallu. Dans l'intimité de Borsala. Mais tant qu'on soit au vent dans ton monde, avec l'album Moana, et comme ben na ba tourneur, ba producteur, ba komoya, ba bi ke yo photo ke beto na Gabon, yo photo beto na Angola, yo vous comprenez, l'album yo, il marche, y a wana ba commerçant, ba komoya kota mbongo na bango, po ba teka, ba kota mbongo. Donc que les artistes arrêtent un peu de s'endormir sur les lauriers, ou déjà basan comme les fanatiques qui travaillent la promotion. Et y a wana pe mon erreur, wana sa la ke. Excusez ceux qui travaillent avec les artistes, élargir le champ dans le tacté. On s'est contenté, nous avons déjà des Warriors, nous avons déjà des Gaulois, nous avons déjà des Kofi Phil, ça nous suffit. Alors qu'un artiste, ça sera un album pour conquérir davantage. Donc l'album Dynastie 1 doit conquérir davantage pour permettre à l'album Dynastie 2 et Zoya et conquérir. Parce que ce qui est l'album Dynastie 1, déjà les fanatiques, ça ils l'ont maquillé l'été, j'ai craint. Donc, il faudrait revoir ma stratégie pour le reste de mon projet. En tout cas, merci Thierry Mumbaya. Merci pour la réponse non minutieuse. En tout cas, c'est vraiment qui te couvre au mais question moi sur toutes les lèvres, y a bande de renoncés congolais. Les lots ont une influence. Y a musique on a rap, afro, on a la quatre musique n'a pas Congo. C'est comme si Jésus ou poil les sous ouais. Ouais. Risque était. La musique n'a pas la langue latine, le latin par exemple. Moi, la langue, je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Comme élément de référence après, à traduire très rapidement pour éviter que vous ne si, si. Habité Rumba, Nabiso, où allons-nous? Rumba, c'est une musique riche. La Rumba, c'est une musique qui s'adapte facilement. Voilà pourquoi les artistes rumbistes, passez-moi les termes, ont aujourd'hui la facilité de faire d'autres styles musicaux ou de toucher d'autres horizons. Mmh. On voit Fally Ipupa né et grandi dans la musique rumba, des Tala Latin au quartier latin, passant par quartier latin jusqu'à aujourd'hui. Mais il a la facilité de nous sortir des projets locaux à Tokos et les gens apprécient, ils achètent au point à jouer un disque d'or certifié. Très bien. Aujourd'hui, nous avons la facilité, il y a Rwanda, Total, Mutuloko, la Ferregola, né et grandi dans la musique rumba, mais il te chante des zouk, loko là, oh là là, oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est la rumba, trap. C'est une musique zouk. Il n'est pas né dans cette musique-là. Mais parce qu'il est rumbiste, hein, ça dit, la musique rumba. Mais on a le bibon, on a fait une parenthèse, okay. On a, c'est comme si on contredit l'artiste, et puis moi, ben, on a rumba, trap. Mais je ne suis pas l'artiste. Des pensées différentes. Justement parce que je ne suis pas ferré. Le point n'était que Yambaka, Oyemoa, et puis ça, pour éviter d'autres pics.
Bon, pic, on a suffisamment armé pour avoir un pic. Si on a un pic, on a un autre. Je sais que mon émission, on a un parti, on a la page, on a fini dans le commentaire. Mais je ne m'arrête pas. Je suis suffisamment armé. Je suis un problème à la ranine. Soyons vrais et aidons les artistes. C'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. S'il y a un dieu de la musique quelque part, le jour du jugement, il va dire yo, ozala sincère, kende kuna. Yo, ozala sincère, tes onga koto. Tu sais pourquoi moi avant. Il y a sincérité, la différence entre Zoukna, Rumba Trap. C'est pas la même chose. On a sali, on a connaissance, on a fait un Rumba Trap par exemple. Ok. Mettons, il y a une divergence d'opinion. Donc, ceux qui. Mutumoka ya beta musique RNB sibino oeza rumba ton dimango poyi ya lobby to poyi ya ngweza Valdi, moi j'étais à la radio, j'ai présenté une émission intitulée Planète Zouk. La Planète Zouk na nobeta ba musique Zouk na beta na ba historique nango et les gens appelaient ka ba sœur à l'époque, ils appelaient ba senga ba nzembo ba dédicacer ba tuna bango. Maintenant si koyo na radio trop souvent ça sur ça ba playlist biso mo muto ça lango. Je suis un princesse lover, soit assisté Ali Marisa, soit assisté les DS, soit assisté Kesha Motema, au bandit na Mon Soleil, toutes ces années, Motema, Ali. Mon Soleil, les gens ont raté. La chance de nous lier dans la fête. Si vous avez un canada. Mon Soleil, bandit, c'est Damas. Si vous avez un canada, vous avez un tangi. Attention, vous avez un salaire, vous avez un beatmaker, vous avez un DJ. Vous avez un tangi à Bazouk. Bandaka kobetango bandaka kobetango bana obetango zoyo ka ompena na écouteur si ya mokozwa sko rumba trap tango pe bandu beta même beat même rythmique même mélodie sko ngai yo lingi yo ebisanga na benga ngo bon tona lo bango o ezali ngai tenga ngai to adapter ka ne moko na nga benga kyango nga na adaptateur te malheureusement je reste sur mes propos et j'avance comme ça. Désolé, n'en déplaise au méchant. Merci tous on a son lition à bisso. Alors, oui. Na aspect wana, ce qui fait rabeta bon fallait beta bon tout beta bon c'est parce qu'ils sont originaires de la musique mokobo et musique il y a formation. Musique est forgée bango. Musique à perfection. Moi musique na bisso. Oui. Ba beta ngo semi live yo et ça son petit musique rumba semi live vers l'ingité. Na concert. Musique rumba, il faut ba guitare tanda mawana, il faut ba drum ezala wana, il faut ba mbunde ezala, il faut maracas ezala, il faut ba to akuna ba betelo basse. C'est des musiques na biso senga faut ko to 3 musiciens ko to 4 ba ça cœur musique na biso yango wana. On peut observer en Afrique, c'est pas seulement aujourd'hui parce qu'un district comme moi genre, même depuis les années beaucoup n'arrivaient pas à le faire. Les Nigériens ba no salonté, les Ivoiriens ba no salonté, les Camerounais na ba musique na bango makosa ba no salonté. Batuming bando salon kaso ba beta festival, un très grand festival ne ba sala bon. Mais biso yaka ta concert mo boye, ya kermesse moka ya mukie. Ta ba musicien ben na podium ba tindi ka voix papa. Nous on a des écoles na musique. Ozu ba école loko ya viva. Ozu ba école loko ya tozo ya vena biso kester et meneur. Ora 5 ténoristes. Na mudam da yema ne. Ayema ne na. Et puis boye ba ke ozo we. O souhaiter musique na biso ya ngwala. So muto a sala rumba pa ke beta biloko wana e facile. Il suffit ka ka azala prêt ya ko se mettre à jour. Donc pona ngane na mona ba musicien na biso ba ke kuna balandika mbongo. Ah kuna nde mbongo esika mbongo, mbongo papa. Fali n'a pas chanté les noms des gens dans son album. Comme kuta solo ko kanza na solo ina yango bwe. C'est vrai, la musique sans libanga. Oui, que Inos B. C'est vrai, boire à Batou, ma banga pour Azara approche Pé à Batou. Mais tant que Naomi, autant que Naomi Campbell, ah. Est-ce que vous avez bien bon temps? Mais nous avons écouté les mbongo. Inos B, tant que nous avons dit, au van, non, bape, ça va, y'a nanya, y'a mba nanya, nous avons dit. Mais Betty Saïti, Mémi, et Pébagé, ça, là, on s'en a d'aimant. C'est quoi, boire à Bosser, ma banga, oui. Pour fallait pas moi adapter quand on est dans ce moment banga pas moi écouter. Mais je dis une chanson chantée pour Adolphe Moukeba, une chanson chantée par ceux qui pour na mutubo et tout ça. Bah ça là ngouté na musique wana. Donc c'est que ça na mbongo mobwe. Ozoya en dehors il y a koyemba moto. Mais na musique na biso toutes ces années au ba papa ba sali musique. Mais à l'époque pour musique on bandé ko zola ngou moyennement mbongo. Il fallait toi adapter mbongo mobwe et ça la structurer.
tant que vous avez dit Marie Loïsa est solo, vous avez dit moi si naïe. Ou puis combo Loïsa, c'est moi si naïe, tu as une histoire baby. Tant que taboulé à noyer Mbabanzembo, il y a un soir noyer, mais il y a moi si naïe. Mais ces chansons là, et ben non ça, ben papa taboulé il va gagner plus. Pour aimer les mères, tu sais, l'arté. Mais écoutez, c'est lié bon. C'est-à-dire, nous, on a sacrifié le côté industriel de notre musique. On a valorisé le côté technique de notre musique. La musique, il faut guitare, nango, il faut respecter. Il faut respecter le solfège, il faut respecter le corps, le rythmique. Nango. On a travaillé le côté là. Il faut faire la danse, nango. On a travaillé. Mais le côté industriel, c'est comme ce qui est l'album Mourumba et Bimi. En dehors, il y a Moutou, les musiciens, ils ont focus sur Matolo. Pour ma banque, il y a Matolo. On a focus sur Wana. On a focus sur Nzembo et Bima. Mais tu vas consommer. On a partagé nos pensées, même à vivre. Mais c'est mon baya. Sur ma banque, il y a Matolo. Côté Moussou, oui, mais côté Moussou, non. Il y a des gens qui ont rappelé que. Tu vois, les lieux comme culture, les lieux comme culture. Les lieux comme culture. Les lieux comme culturel. Oui. Pour comme culture, on a biso et comme business. Mais biso n'est tout ça, quelqu'un qui veut faire promouvoir son nom ou faire connaître un projet, ça passe par nous. Nous, on analyse la musique. Mais à un moment donné, tout le temps, on a un peu de structure. Parce que c'est culturel. Un super mouton a 5 yo libangate. Ton propre plaisir. Au salon, on peut pas pia mbongote. Parce que c'est devenu une culture pour Nabiso. Mais au départ, ce n'était pas une culture. Parce que ma banga au fait c'est ça. Pourquoi na bengo matolo? Matolo quand ne bisou comme ça moi péjorativement. Et puis que ma mise moi mise en zemo mon petit travail za matolo. Ato ele ka batou boy. Pona na benga ngo matolo. Abaki azo beta nzambe matolo. Aoye bisé o yaza. Pour e passer ele o yaza ngo posa. Au fait histoire de musique na bisou ma banga euta wapi. Et outi te ka na benga matolo peut-être au genre na moi défaut. Les griots dans nos villages. Dans le documentaire, il y a des Africains, nos griots, qui sont les rois. Ça, l'activité, les griots, les rois puissants, c'est lui qui a vaincu le roi de tel village. Il a gagné tel combat. Parce que le roi, c'est un guerrier. Donc, il y a une manière de faire un grand guerrier, un grand chasseur, un grand pêcheur. Ça, il y a un grand beaucoup misaillé pour y continuer à rendre nos services aux besoins qu'on a besoin. C'est en fait partie de là. Mais moi, je n'ai pas voulu à ce que tout comme ça un système où il y a un des arts rentables dans la musique, Nabiso. Parce que tu sais que les artistes aujourd'hui sortent des albums. Aibi qui a été kamalongate. Aibi qui est bêtisé ba tournete. Aibi qui est somba mamalongate. Mais baton oyemba soit apesi 10 000, ou 15 000, ou 20 000, ou boy, ou boy. Soit même si 20 titres, tout en cas, il y a 10 000 par album, à 20 000 dollars. Ni, 10, ça fait combien? Donc 10 titres, pour 10 000, ça fait 200 000 dollars. Hein? Donc 200 000 dollars pour 20 titres. Au moins, il y a 8 000 albums. Il y a 200 000 dollars, soit le monde qui a 20 000, à foutre un studio, à faire un clip. Est-ce qu'il y a 180 000 dollars? C'est un business. Mais appuyer, on a matolo. Mais le système industriel, la musique est fonctionné sur le bon côté. Et comme les musiciens, on a le col à moi, n'a moins faiblesse, mon co, on a qui ne coule pas, a du flemme à se contenter dans la zone à luxe, dans la zone à confort. C'est là où, en fait, moi, je dénonce. Nous, on n'a pas su imposer ce système-là dans la musique. Or, ce que les musiciens ont s'ouvrir dans la musique, on a un danger pour la bise. Écoute, il y a un peu de temps. Fabrice, ok, on a tout le monde, ok, on a. On a un ministre, vraiment. Et ça, le col à. Top moi fungami. Pour bien na kongwa, tout monde a bien tout gendar loufou hein. Loufou ko somba basket. Mais est-ce que ya kongwa zanin? Soit bizarre. Top fungami. Muda net besoin a gendar loufou na côté la camarade mon a déficit catch. Net catch au pesant 15 dollars dans une semaine. Abina c'est bon. Oui bizarrement bon a gendar loufou ya semaine na écoute na e peguna. Yé moi. Yé pas yé. A écoute na boîte. Donc clients a souté bisous toke na comme acheter. Suga na mona kopang ekufa na bi disko ne banyo so ba kei banani betika li skupo non sécuriser patrimoine na biso la rumba congolaise ke bango tubaza na bango frère nous a parlé de rumba trap mais ce qui album mis ne peka ba rumba pe normal ça na ngote fali nous a parlé ba tokos un tokos de réédition azo mis a formé mais une vidéo de circuler au wapi fali avant ke to na mikolo ya batunyo so ba ke na makambo c'est comme s'il était prophète ou comment non. Il était réaliste. Fali a toujours été réaliste dans ces genres de choses. Pourquoi? Valdi, au moins, sauf que place mon robot.
ou découvrir le roman au bois et qu'ils a bien aux zongi biso le roi toi car un système qui congolais au bois et tando boya yo oui bon le bani boya parce que y est biké pour biso toi on a niveau 5 y a même tous un dixième niveau aux ans la perception facile à marambo biso tout le monde entier. Oui, chez nous les ignorants refusent même bateau basan la connaissance, en fait refusent d'accepter bateau baby makambo. C'est ça le problème chez nous. Or, moi j'aime bien ce que Fabrice dit. On ne complique pas les ignorants. Quand Fali sort souvent de son trou, il a creusé profondément. Abimé a dit que non, il y a kuna. Il y a un peu de ça. Il y a ignoré. On ne complique pas les ignorants. Tu ticket. Lelo après combien d'années, balandit ou balandité. Parce que lui, il était là-bas. Il a vu. Il a compris ce qui se passe à Bike. Le col a posé un baron. Parce que tout artiste et musicien en a besoin de la médiocrité. Même Mouto a encouragé la médiocrité. Et ça, parce qu'ils ont l'ignorance, ils ont normalisé la médiocrité. C'est ce qui fera que, au moins, les musiciens, ils ont été basculés dans le baron. Moi, maintenant, ce que, en fait, je suis les larmes de Dimé. À l'époque, Joe Cortési, rappeur, tout, dans sa musique, Marshall Dixon, tous ces gens-là. Ça, ils ont gratuitement. Les lots, ils ont fallu donner les larmes en paix. Dans la musique, il y a des pachabaï qui sont là. Mais les pachabaï chantaient les mêmes. Pachabaï, c'est un beau garde. Pas dans la musique. Moi, ce que je veux faire, c'est que je suis en train de faire un rumba, je suis en train de faire un. Donc, rumba, je suis en danger pendant ma casse, d'autant plus que tu vends un album. Je suis en train de faire un album. Je suis en train de faire un album. On sait que rumba est un caca. Première chose, déjà, dans rumba, tu es un producteur. Ah producteur ouais. Hier on avait des quelques têtes de producteurs, on peut dire Bandiaye, JPS. C'était pas vraiment des Congolais aussi, mais c'était des gens qui passionnés à musique nabiso. Bah comprenez que ils ont la vie de mon tokosa et l'angola rwana. Les David Monson de lelo baza ba virage à souka ba producteur parce que lui il est avec Wata et tout. Moi je pense Rumbien on a possibilité de continuer à coexister. Gali Garvey, il n'est pas vraiment rumbiste, rumbiste, mais il a sorti un album na Kati Soyoki, Nzembo Mo Ambi, na Koufi Lomide. Tchatcho à la perfection. Félicitations à Yepé, à Gali Garvey. En tout cas, nous avons dit tout quoi. Rumbezan en haut, seulement, et qu'on perdre peut-être un débat généraux au bas qui en a temps plein. Bah, généraux, bah, aux alobjas, on s'est départagé à l'Okola, bah, Tamakasi à Congo, bah, comme obligé, photo partager à Baona Angola. Et moi qui est Bounan Angola. Et moi, je suis dans le Congo. Alors que Bando est à temps plein dans le Congo. Donc, il fallait faire Bando est à temps plein dans le Rumba. Mais la musique, on a tenté de offrir quelque chose d'alléchant. Donc, pas si on a dit que mais sinon, ce sont nos artistes. Tant que nous disons que nous sommes Congolais. Tant que nous disons que nous sommes Congolais. Tant que nous tournons, nous sommes Congolais. Donc, tout c'est bien. Merci, tout c'est bien. Une dernière question. Tu veux de citer le nom de Richie Watanabe. Tu veux taper le son. Tu veux que tu côté Kuna. Tu veux que tu aies séjourné. Dans la carte d'Afrique d'ici, les Sikaki, au salon, bon, préparatif. Il y a un concert, il y a un néné. Il y a mon nativité dans le stade des martyrs. Tu veux que tu aies le baliko. Richie Watanabe, on attend la promotion. On attend vraiment une très bonne promotion sur le terrain. Je n'ai rien contre Mekakusala. Mais si vraiment Héritier veut que la promotion de son concert soit accompagnée par les personnels de Wenge, de la famille Wenge, je souhaiterais que ce soit Sankara de Kunta. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Bandekom Soussou, Baomika, Papi Roger. Le monde, tout le monde est dans le stade. Papi Roger, Papi Le Prince. Mais ce ne sont pas des personnes vraies. Ce sont des fausses personnes. Bah, sont par intérêt. Ouais. C'est la Mouni flatterie. Sankara, la flatterie existe toujours. À un certain niveau de la vie, il y a la flatterie. Bien que Rosa a la raison, il y a aussi les lourdes. Oui, oui. Mais ça existe. Mais Sankara, en fait, à ce genre de bateau, quand il fait quelque chose, il le fait. Ouais. Et il s'attend à ce que Batoubalo Baké Sankara a fait quelque chose. Tu sais, à une certaine époque, Sankara, il y a un master qui est millionnaire. Fali. Alors, comme il y a un album qui a fallu, mais du fait qu'il y a un master qui est millionnaire, il y a un problème. Il y a sérieusement un problème. Les gens s'engageaient dans des combats, tout le monde a clan Koffi Olomide contre clan Ouera. Bateau temps bané quoi attaquer balou ba monsieur Noël, tout y est bien quoi. Nana il faut faire taire polémique quoi Sankara.
Alors qu'à l'époque, Baba est dans la maison mère. Donc sa preuve suffisante, c'est quelqu'un à Zabato Bazara, soit à côté de Likambo, à côté de Makolo. Et si. Et... Donc on comprend que Sankara, c'est vraiment sa vie. Quand il s'engage dans quelque chose, à ça, là, en gros, entièrement, pas à moitié et tout. La promotion, on ne va pas imposer à Héritier de faire la promotion comme Mouingé, moins encore comme Fali, mais il doit nous assurer sur le terrain parce que là, pas de panneaux. Déjà, tout ce qu'il y a un jour, j'ai moins quelques jours. Car. Oui. Conseil, ça, le 25, les autres, ça, je crois, les 6 plutôt, qu'est-ce que je dis. Dans ce côté, monsieur, comme les 7, panneaux, nous avons été à Kinshasa. À peine Babanderol, il y a un fanatique, tel soutien, tel tenda, il soutient, fan club, tel soutien, ou les gens qui sont en train de se s'engager ouvertement dans ton monité. Mais aussi, il faudrait qu'ils essaient de créer des actualités ayant trait avec Héritier. Je ne prends pas défense de Fali Poupa. Le concert de Fali Poupa est passé. Le concert de Fali Poupa au stade des martyrs, c'est un passé. Au conjugant, on a présenté. Et ce que nous sommes en train d'attendre ici, c'est le concert d'Héritier Watanabe, son spectacle dans le stade des martyrs. Ce que moi j'appelle le concert de la révolution. Pourquoi? Parce que Héritier va à son tour fracasser le système. Fallait Poupa a attendu toutes ces années pour Betakuna. Tu es bien des mamans qui va réhabilitation, mais il est venu avec des albums. Il est venu avec une carrière élogieuse, avec une carrière plutôt élogieuse, avec un parcours riche. À Betty d'Abba Bercy, à Betty déjà où on est à Apollo, à Betty aux États-Unis, c'est-à-dire il a tout ça. Dans JBCR, mais ils ont fait stade des martyrs à côté de Siangouana. C'est-à-dire, on pouvait tout dire des Fali, mais à un certain niveau, on était sur la bande de Bébé. Allez, un public au Balingaki. Allez, au monde. Mais Héritier est venu au moment où les fabricants ont commencé avant lui. Donc, on est dans le stade de Bana, il fallait s'engager. Parce que les fabricants ont un album Bébé pour les Héritiers. Ils ont un répertoire Bébé pour les Héritiers. Il faut encourager l'artiste. Parce que Héritier a créé une révolution qui, avec le peu que tu as, au Robert stade. Donc, il va révolutionner le système à un niveau Bosa et IDT. Moi, quand je conseille Héritier dans un stade plein, tu bini pour un Osawana. À condition que tu as dit que tu plainte, bini ma mtu kitoko. Ah, papa, laisse tomber. Et comme la révolution, ma petite demi bande signé stade, mis album moko. Pour Héritier, on a deux albums. L'album a bossé timidement, mais l'album a mis baleine des encours. L'album a mis ça, tu es couillé en 2023 ou fin 2022. Pour te remettre à Souka, donc c'est que 2023, ma bête à le 25. Ce qu'on dit à Zahana, un autre élément. Le conseil à stade va le conseil à Nini. Tu vas avoir un danger, tu vas avoir un danger. Peut-être les spiritas. Mais le grand public ne maîtrise pas les danses d'héritier. Ne maîtrise pas les génériques d'héritier. Donc, tu as un DDD, un BM. Tu as un Betifo, tu as un La Coyote, tu as une chanson préférée dans l'album. Tu as une musique. Wana. Donc, pour une première, tu as un concert à stade dans une chanson dansante Penzate. Ouais, ça, le coup là-bas classique, naie. Alors, bah classique, n'est pas tout en noir, tout ébi, bah DDD, bah BM. Donc, avec un classique, on a c'est déjà d'aller bon. Quand c'est tiens, on a dit donc, Kobe t'es hérité d'un stade et on crée une révolution de mitoire, bah toi, notamment là, à ça déjà combien d'années de pas bandi carrière solo, il a combien de hits sur terrain, mais bête le stade naie. Donc, c'est possible aujourd'hui d'avoir l'état d'esprit d'héritier, la détermination de Fali et se produire dans ça demander. Voilà pourquoi moi je m'attarde beaucoup plus sur la promotion. Parce qu'il doit faire une promotion sérieuse, avec des personnes ambitieuses, et non des profiteurs, le roi Bato Azoué et Awana. Voilà pourquoi j'insiste à ce que... Les princes... Regardez dans le bio, cité normalement, regardez dans le bio. Donc, et ça, la biso bien, qui commence avec la promotion héritée, tu oses la réussite à concert Awana niveau, mais surtout moi personnellement. Pour ce qu'il y a on va rappeler aux gens qui sont au stade. Il n'y a rien de mystique à l'intérieur. Merci Thierry Mumbaya. En tout cas, je suis Batali Bissouin, Sœur Nayo, Mère Nayo, Lisette Loboko. Maman Lisa. Best of Africa Food Store.
Et puis, accréditant. Le premier citoyen du monde. Toutes nos félicitations. Et là, il est extrêmement bien. Citoyen du monde. Normalement, les aides, le bon qu'on a dans le monde, c'est un magasin Best of Africa Food Store. On a un peu de mal. Il s'appelle Orgazi Manhattan. Na pesio mote siko zwami. Pourquoi pas boss Jimmy Belao? Boss Jimmy Belao, babi les robinets monétaires. Na pesio mote papa Firmin, ma tata maman, Iget Moulunga. Koutou nanga Jojo Alitalia. Jojo Alitalia, Pablo Kitamba, la maison Kitams. Yo, tout autologie, faut mettre ça en anglais. Merveille Kimbuta, l'architecte conscient. Na pesio mote merveille Kimbuta. Koutou alino moke mon London. Paris et sa famille, c'est les Warriors. Mireille Lengelo, la Pesio Pembote, Tata Mouassiabana, Anisi, tout l'américaine. Guy Basket des Continents. Babi, Moutaka Barbassé, en réalité, Guy Basket des Continents. Banjo, c'est le numéro 1, mon colombe, en tout cas. Naïke, ma grand-mère, on a changé ma ligne, mais combien de micro fort, conseil Zaraï. Donc, si on a communiqué, on a validé, on a sirené dans le bilan. On a passé par le conseil, on va pas conseiller. Et comment donc, il y a un sarané. Et même, on a dit difficilement. C'est pour la deuxième fois, l'activité nette, c'est la cérémonie de l'anniversaire. C'est la banda carrière. Parce que l'OG était abasourdi, il y a eu via lobby, banda carrière, deuxième anniversaire. Macron Gimbi qui était derrière la caméra, Whisky Wishi a à la régie finale en tout cas. La PCO Bambote, Simo Design, on a conseiller spécial Père Nanga. Une dernière communication sur les alliés. On a battu Kevin Bonioli. Merci pour la première dame de Lausanne qui nous suit. Je suis allé dans un enfant pas comme les autres. Grand prêtre Gobelisha. Mon mentor Jean-Claude Longagné, maman Rose Faliala. Pourquoi pas dire comme ça, salutations. En tout cas, toute la famille AMTV. Je dis bien de bonnes choses comme ça à l'exécutif Kevin Bonioli. À toute sa fondation, Fondation La Main de l'Espoir également. Les actions concrètes sur le terrain. Oui. Donc, ça a un grand plaisir comme ça, salutations. Je vois Mireille Flore Oyona, Tati Eric 001, d'ailleurs, tout sur la Naye. Coach Dako. Coach Dako, c'est-à-dire Zanabiso Bodi Mesa également, en tout cas, Mbote Nabandeko, tout. Zanabiso des prêts comme des lois, on est ensemble. Merci pour l'invitation surtout. En tout cas, merci, merci vraiment. La volonté plutôt si on a eu Sabino vraiment Mikolo beaucoup t'en as payé à mon moment et le moment tenu au Sarfaka sur internet pour moi tant tout chaîne on va remis Valdi Tambo officiel par exemple pour tout ce que l'on a eu d'été conseiller Azaliwana n'a eu mon mentor âgé mais c'est plutôt pas en tout cas merci Nabi qui a beau s'abonner massivement et au savoir qui te commet à Andakou Boba Ksamalisous merci. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. TapTapSend. TapTapSend, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo
et la République du Congo. Vous avez déjà RCP là. C'est-à-dire, l'autre de la maman, papa, tambongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap, tap, send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ce qui est au Mbongo, on a Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as RTL Money. Ce qui est numéro à Brazzaville, tu reçois un MTN, tu as RTL Money. Utilisez le code promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ce qui est Mbongo, frais de transfert, et Zateo.